Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Bonjour tout le monde. D'habitude, c'est à ce moment-ci que je vous demanderais « Ça va bien? » Et là, vous me répondriez en cœur. Mais je dirais, j'ai pas entendu! Vous crieriez donc plus fort! Oui! Mais ça me tente pas. Vous êtes pas mes amis. En fait, je vous connais pas. Votre bien-être est pas vraiment intéressant pour moi. Ce serait donc hypocrite de m'en informer. Et l'hypocrisie, c'est un des nombreux comportements humains que je ne comprends pas. Au fond, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que l'homme est niaiseux. Et là, je parle de l'homme avec un grand H. Les femmes aussi, vous êtes niaiseuses! Sauf maman! On manque de reconnaissance envers nos mamans. Admettons, un ami te fait des biscuits. T'es tellement content! T'aurais le goût d'y acheter un char! Maman te fait des biscuits. C'est plus. Pillez où mon verre de lait? C'est spécial de rager comme ça avec la meilleure personne au monde. Maman! Pour revenir au comportement étrange, la paranoïa. Parce que tout le monde a un petit côté parano, hein? Exemple banal. Maman vous envoie chercher une canne de tomates en dé aux épices italiennes au sous-sol. X est interactif! C'est mon dessin! Pourquoi vous riez? Maman m'a dit que c'est un très beau dessin! Bon. C'est moi! Et dans la chambre froide, il y a la fameuse canne de tomates en dé aux épices italiennes. Ah oui, ça, c'est le déshumidificateur. Parce que selon maman... C'est très important dans un sous-sol. Donc, je vais chercher la canne tranquillement, quand tout à coup, sans raison, je me sens suivi par la chose la plus épeurante au monde. Elmo! Ah! Mais là, j'ai une mission. Maman m'a envoyé chercher une canne de tomates en thé aux épices italiennes. Elmo ou pas, je me dois de lui rapporter. Maudit déshumidificateur de corps! Et c'est juste au moment où tu arrives en héros pour donner ta canne à maman qu'elle te dit... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, je suis encore dans ton tas de poussière. Un autre comportement assez olé olé, mot qui est soit dit en passant dans mon top de mots préférés, ex aequo avec couscous. Fin de la parenthèse. Donc, un autre comportement olé olé, c'est le besoin de suivre la mode. Pourquoi pour être beau, je dois ressembler à... quand je suis? Si on compare, le choix est assez simple. Pourquoi les filles veulent avoir l'air d'eux? D'abord, on voit que c'est pas une lumière, parce qu'il va clairement pas mouiller! Et on s'entend qu'une fille normale qui va avoir l'air d'eux, ça donne souvent... ça fait peur, hein? Autre chose de spécial, la peur. Comme ma peur d'Elmo. Ou me mettre peur de vieillir.
Hey! Elle est allée jusqu'à s'acheter le guide des aînés. Un livre rempli de vérité. Comme ici, on dit que les aînés ont entre 55 et 105 ans. Parce que c'est connu qu'après 105 ans, tu n'es plus un aîné, mais un post-aîné, hein? Ou un pré-mort, c'est selon. On dit aussi qu'ils sont plus dynamiques que jamais. Justement, à quand les Jeux olympiques d'aînés? J'ai tellement hâte de voir le 100 mètres marchette, la dame de pique à relais et le fameux lancer du dentier. Avec ce livre-là, même elle peut calmer ses peurs grâce à des rubriques telles que « Avez-vous vraiment besoin d'un laxatif? » Selon moi, ce livre-là est niaiseux. Mais c'est subjectif ce qu'on trouve niaiseux. Je l'ai constaté en discutant avec mon ami Audrey qui m'a dit « Le pire comportement au monde, c'est le sexisme. » Elle parle pas vraiment de même. Moi, j'ai rien contre les féministes. Mais je suis quelqu'un qui aime ça être un peu taquin. Je lui dis que le sexisme est une invention de femmes pour se rendre intéressante. C'est là qu'elle m'a sorti un argument frappant. Une porte de métal d'en face, ça fait mal. Après, elle m'a montré le célèbre manuel scolaire pour femmes des années 60. Tu sais qu'il y avait des intertitres comme « N'accueillez pas votre mari avec vos plaintes et vos problèmes. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez vite la table et faites la vaisselle. » C'est vrai que ça n'a pas de bon sens d'avoir écrit ça. Je veux dire, c'est logique! Non, mais c'est ce que maman fait pour papa! Je sais que ça a changé et qu'il n'y en a plus des femmes comme maman. Mais honnêtement, par applaudissement, quel homme voudrait retourner aux conditions des années 60? Quelle femme? Comptez-vous chanceuse, les filles, en 1960, je vous l'aurais même pas demandé! Mais si on revient en 2014, on a changé, mais est-ce qu'on a vraiment évolué? Le monde est spécial. Juste les façons de s'habiller. Ou les gars qui se laissent pousser les cheveux. Moi, je suis tout mêlé là-dedans. J'aimerais ça comprendre les comportements humains. Il y a une seule personne sur Terre qui pourrait répondre à mes questions. Et c'est... Il y avait une chanson, je peux vous la chanter. C'est « Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années. » Merci tout le monde! Merci.